Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo après un long temps d'absence. Je sais, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas la youtubeuse la plus régulière qu'il existe. Comme d'habitude, si je n'ai pas posté des vidéos pendant longtemps, c'est parce que j'étais en examen. Pour celles qui font des études de droit, vous savez que ce sont des études qui demandent énormément de temps et je n'avais malheureusement pas suffisamment de temps. Mais bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo avec plein de petites choses comme vous pouvez voir à côté de moi. Une vidéo sur en fait mes derniers achats du moment. Vraiment tout dernier parce que j'en ai fait beaucoup en fait ces temps-ci. Et vous parler aussi du coup de mes lectures du moment parce que ça fait partie de ces achats. On va commencer par un soin entre guillemets, quelque chose qui a un rapport avec la détox que j'ai acheté et donc ça fait 2 jours que j'ai trouvé ça en pharmacie et c'est du jus de bouleau. Donc il se présente comme ça, de la marque de chez Velega. J'ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Je vous remets juste ici le nom de mon compte Instagram. Et donc, c'est une bouteille, les bouteilles classiques hein, de Velega, avec du jus de bouleau à l'intérieur, dans lequel vous devez mettre 3 cuillères à soupe de jus de bouleau dilué dans 1,5 litre d'eau. Et vous devez le boire donc tous les jours. Tous les jours, vous avez votre petite bouteille qui ressemble à ça. Donc, vous voyez où j'en suis moi. Et en fait, pour le boire, je le mets dans un verre comme ça. Le jus de bouleau, ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je rajoute un petit peu de sirop de pêche pour que ça ait un petit peu plus de goût. Parce que moi, je préfère les eaux avec du goût. Mais ça, c'est vraiment selon vos préférences. Sur 9 jours où c'était vraiment de la détox pure et dure, et l'autre sur 20 jours où c'était en plus quoi, de permettre d'éliminer, de drainer et tout. Donc moi comme je vous dis, ça fait 2 jours que je le fais, mais j'ai déjà remarqué des effets assez positifs. De toute façon je vous ferai une vidéo sur mon expérience avec le jus de bouleau. En fait ce que j'ai remarqué, c'est que ça draine beaucoup, donc ça donne envie de faire pipi hein. Je vais souvent aux toilettes, mais bon, mais surtout c'est que ça, oui, j'ai vraiment l'impression que ça nettoie mon corps et je vois déjà des effets sur mon ventre. Enfin, j'ai l'impression que mon ventre est un peu plus commence à devenir un peu plus plat, donc on verra d'ici 20 jours je vous dirai. Mais je sais que la youtubeuse Georgia Secret disait notamment qu'elle faisait justement une cure au jus de bouleau à tous les ans en fait à cette période de l'année. Et avec tous ces effets de détox, ça a pour but aussi de faire une cure de vitamines, donc de lutter contre la fatigue, de lutter contre la chute de cheveux, parce que moi mes cheveux c'est horrible, mais depuis un an quasiment ils ne font que tomber. Pareil pour les ongles, ça permet de fortifier les ongles, etc. Donc j'espère que ça va marcher. Donc ce sont des choses qu'on peut retrouver chez Nature et Découverte ou chez la FNAC, mais on va rester dans Nature et Découverte puisque après je suis encore allée chez Nature et Découverte. Je pense que Nature et Découverte c'est le magasin, ma grosse découverte on va dire, sur lequel j'adore aller tout le temps. Donc j'ai acheté un premier livre qui s'appelle Les 4 accords de Toltec. Je pense que ce livre, ça a été une révélation pour moi. Vraiment, ce livre a été une révélation parce que ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur plein de choses, ça m'a permis de me sentir bien. En fait, c'est la première fois où quand je lisais ce livre, un livre, je me sentais bien, je me sentais détendue, je me sentais relaxée, je me sentais bien. C'était un livre qui me faisait du bien et c'est un livre, à mon avis, qui mérite d'être lu plusieurs fois pour nous apporter à chaque fois quelque chose de différent. À des moments de notre vie, nous faire comprendre différentes choses, je pense. Donc, c'est un livre que j'ai connu sur les conseils de Georgia Secret, donc elle cite dans sa chaîne, et vraiment je l'adore. C'est un livre qui parle vraiment du développement personnel, de comment est-ce qu'on gère la vie au quotidien en essayant
de positiver, en essayant de toujours faire du mieux qu'on peut. Voilà. Je vais vous en dire pas plus, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce livre, mais vraiment ce livre. Ma deuxième lecture du moment, c'est un autre livre, donc celui-ci qui est un peu plus connu, qui s'appelle Les trois amis en quête de sagesse. Vous savez, c'est un livre qui a été écrit par un moine, un philosophe et un psychiatre, donc celui-ci je n'ai pas fini de le lire, et en fait il parle de leur expérience sur la perception du monde, sur toujours pareil, le développement personnel, etc. Donc voilà, je l'ai vraiment pas fini, j'en suis au tout début, j'en suis encore à l'introduction, je suis à la page 30. Il est vraiment très bien aussi. Je pense qu'il complète vraiment le livre des 4 accords de Toltec, mais c'est un livre qui a l'air d'être plein de bonne énergie, plein de... je sais pas comment dire... plein de bonté, voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais en tous les cas, c'est un livre qui m'apporte aussi beaucoup, qui me fait du bien, donc je vais... Et en fait, ce que j'ai acheté chez eux, c'est deux huiles et un masque pour les cheveux. Donc une première huile qui est l'huile végétale de bourrache, qui est censée être une huile réparatrice, parce qu'en fait je faisais beaucoup de masques pour nourrir mes cheveux, mais je voyais pas forcément de réelle différence. Et en fait, Fashion & Makeup a fait une vidéo dans laquelle elle expliquait l'état de ses cheveux et tout, car en fait elle a des cheveux un peu comme moi, qu'elle faisait que les nourrir et elle voyait pas de réelle différence, et qu'elle s'est rendu compte que ses cheveux manquaient d'hydratation et avaient besoin d'être réparés et pas forcément nourris. Et du coup c'est ce que je vais faire. Donc j'ai acheté cette première huile qui est une huile réparatrice, donc à l'huile de bourrache, donc, que je vais essayer avec une huile de ricin pour vraiment hydrater les cheveux. Et du coup l'huile de ricin, ça fait un 3 en 1 on va dire, parce que je vais m'en servir pour mes cheveux, je vais m'en servir aussi pour mes cils, et on peut s'en servir pour les ongles. Et évidemment ces deux huiles là, on peut s'en servir pour la peau, je les prends à la base pour mes cheveux, mais je vais m'en servir aussi pour la peau de pour mon visage par exemple. Donc voilà ces deux huiles qui coûtaient 6,95€ chacune, et en fait l'idée aussi c'est de les mélanger avec un masque, donc en fait là qui coûtait 8,95€, qui est un masque de base neutre, un masque capillaire de base neutre. Pourquoi? Parce que en fait c'est un nouveau concept que je connaissais pas, par Nature et Découverte, c'est de vous donner un masque de base neutre et de rajouter, grâce à ce petit catalogue, les huiles essentielles qui vous, que vous avez envie, dont vous avez besoin pour vos cheveux, et de vous créer, de vous personnaliser votre propre masque en fonction des besoins de vos cheveux. Ce sont des huiles essentielles de ce type là, donc là j'ai par exemple la lavande, l'orange et géranium rosa, voilà. Je suis passée chez Kiko, voilà, parce que j'avais envie de trouver un rouge à lèvres et un crayon pour les lèvres. Et du coup, je suis repartie avec tout ça et un mascara parce qu'ils faisaient une promo jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé donc le crayon pour les lèvres. Enfin, en fait, c'est ce que je porte là actuellement. Le problème, c'est que la maquilleuse ne sait pas faire le contour des lèvres. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a complètement raté mon contour de lèvres. C'est pas très réussi, je sais pas si ça se verra très très bien ou pas à la caméra, mais voilà, en gros elle avait dépassé partout, elle m'avait fait je sais pas, pour me faire des lèvres pulpeuses ou quoi, enfin elle avait vraiment dépassé, c'était pas beau. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres qui est la couleur 415. Alors avec, vous voyez, un petit embout, en fait il y a deux embouts, et du coup la couleur et comme cela, de toute façon je vais vous montrer de près, mais en gros voilà la couleur. Donc j'avais demandé quelque chose de bois de rose un petit peu pour voilà, pour cet été, quand j'irai travailler, j'avais envie voilà de quelque chose d'un peu bois de rose sans que ça soit trop foncé non plus. Et du coup le rouge à lèvres qui va avec, donc c'est de la nouvelle collection, j'ai demandé des mattes, hein. C'est le numéro 316. Donc avec un packaging, j'adore le packaging, je trouve ça trop beau. Et un petit, voilà, rouge à lèvres comme ça,
complètement mat. Sur mes lèvres, là, il fait pas tout à fait mat parce que, en fait, quand elle me l'a fait essayer, j'avais un rouge à lèvres. Enfin, je trouve plus le mot, mais shiny, enfin, un rouge à lèvres pas mat, quoi. Et donc, le rouge à lèvres est ici. Et en fait, bon, vous pouvez voir que le crayon est un tout petit peu plus foncé que le rouge à lèvres. Et ce que j'adore avec ce nouveau packaging, c'est que c'est aimanté, en fait. C'est trop génial, j'adore. Et du coup, j'ai pris un dernier truc chez Kiko. Alors attendez, j'ai le ticket de caisse. Le rouge à lèvres, il était à 8,90€. Le crayon était à 6,90€ et le mascara à 3,90€. En fait, c'était une promo qu'il faisait. Du coup, j'ai pris un mascara, donc un waterproof Extra Sculpt, qui est en fait pour le volume. Voilà, j'ai demandé parce que moi j'ai souvent les paupières grasses et mon mascara qui se transfère sur mes paupières, c'est assez chiant. Et donc du coup là en waterproof, c'était pour éviter ça, et comme on va arriver dans l'été, je me suis dit que c'était toujours plutôt bien. Voilà, dernier produit que j'ai acheté chez Yves Rocher. Là c'est complètement un truc basique. C'est juste un démaquillant biphasé, voilà, pour les yeux, parce que j'ai acheté une gelée démaquillante. Et c'est vrai que je suis pas trop gelée en fait démaquillante. J'aime bien parce que ça permet de nettoyer et tout, mais je trouve qu'au niveau des yeux ça nettoie pas correctement. Et vu que j'ai des yeux hyper sensibles, je prends ça du coup avec pour vraiment finir de démaquiller en profondeur. Et du coup avec, ils m'ont donné une lotion qui permet de tonifier et de démaquiller la peau, donc c'est plutôt pas mal, mais celle-ci je l'avais déjà en fait. C'est la sensitive végétale. C'est la sensitive végétale que j'avais déjà testée et qui est très bien. Donc voilà, ça me fait une petite lotion en plus. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que voilà, ça vous aura donné envie de craquer, de découvrir d'autres choses. Là, je vous ai vraiment présenté que ce que j'avais acheté là, tout de suite, là, quasiment aujourd'hui. Parce que j'avais acheté. J'ai acheté plein de choses. Des achats Primark, des achats Yves Rocher. C'est vraiment les deux. J'ai fait une commande sur La Redoute aussi. Donc voilà, ces trois marques là, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse un haul plus en détail. Et surtout n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez que je vous détaille plus mes lectures du moment, et que je vous fasse une vidéo à la fin donc, de ma cure de jus de bouleau, les effets que ça aura eu sur mon corps. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, puisque je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.